Eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur Archero parce que je vais répondre à une question que beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes me posent par rapport au boomerang. Est-il si cheaté que ça? Pourquoi tu le joues maintenant en HL? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as changé d'avis par rapport à cette arme? Etc, etc. On va voir du coup les bons et les moins bons côtés de cette arme, quel skill à prioriser et à éviter, et bien entendu, on passera le boomerang en légendaire, puis légendaire antique, bien entendu, logique, normal. On se retrouve pour voir tout ça après l'intro, et n'oubliez pas, comme d'hab, de mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo à la fin de la vidéo, même avant si tu veux, bien entendu. Tu peux aussi t'abonner pour suivre la suite des vidéos, mettre aussi la petite cloche, hop, un petit clic, et c'est réglé. Partage la vidéo, c'est important pour moi, et bien entendu, commente-la pour le référencement. Ah, du coup, là, je pense que la boutique hein, de l'algo, il est cassé. Il me propose, hein, pour seulement 7 euros, hein, parce qu'il faut arrondir, hein, c'est un prix psychologique, c'est que 7 euros, un boomerang épique. Il me dit, en gros, ça peut servir, ça peut servir, avec la voix de Abby. Hey, les gars, ça peut servir. Si vous possédez ceci, vous pouvez obtenir un équipement légendaire boomerang par fusion. Mais de base, attention à vous, de base, il coûte 28 euros. Ça, 28 euros? 128 euros? Qui prend 128 euros? Personne. C'est pareil, encore une fois, c'est psychologique tout ça. Même 7 euros, c'est cher. Voilà. Bref, les amis, j'ai de quoi faire. Je peux fusionner tout ça. On va le faire après. D'abord, on parle du boomerang, les amis. C'est hyper important. Vous savez, hein, récemment, je vous l'ai dit, si vous avez suivi les vidéos, si vous le savez maintenant. Si vous ne savez pas, je vous le dis. J'ai fait un try, mon premier try que j'ai fait sur le 24HM avec un boomerang épique, splendide, donc du coup, hein, violet avec les contours jaunes, hein, pour ceux qui le disent, c'est comme ça. Du coup, j'ai fait 12 sur 20 sans forcer. Au bout d'un moment, j'avais plus de dégâts parce qu'il est simplement épique, splendide. Hein. Chapitre 24, c'est du très HL. J'allais te dire que bah, c'est normal, au bout d'un moment, tu es tanky, tu plus de dégâts. Pourquoi plus de dégâts? Parce que du coup, bah, mon arme, elle est simplement, voilà, elle est base, hein, niveau 40. Aujourd'hui, elle est niveau 49, mais elle est toujours épique, splendide. Donc, on la passera après légendaire, puis légendaire antique. Avantage, inconvénient. Pourquoi, maintenant, je joue ce boomerang? C'est très simple. On a, vous savez, depuis le PVP, il faut qu'on fasse le PVP, les joyaux, etc., les œufs, etc. Donc, il faut faire du PVP. On a, entre parenthèses, pas le choix. T'as toujours le choix, mais si tu prends le choix de pas le faire, tu perds beaucoup de récompenses quand même, surtout les joyaux. Les joueurs, c'est vraiment hyper important. Donc aujourd'hui, on doit faire du PVP. On a cherché, on a fait des tests. Onir, pas Onir, Lina, le nerf, etc. Et on s'est rendu compte que c'était bien un boomerang pour faire proc les clones avec Lina avant le nerf. Maintenant, c'est pareil pour Bonnie. Les clones, puisque tu as un aller et un retour du boomerang en fonction des skills que tu prends. C'est important, ça aussi de le dire. Du coup, vu que tu as un aller et un retour, bah, tu as deux fois plus de chances de faire proc un clone. Parce que du coup, je vous rappelle, hein, Lina ou Bonnie, dès que tu tapes un ennemi, tu as une chance de faire proc un clone. Hein, une chose qui est plus ou moins élevée en fonction des héros. Lina, aujourd'hui en PVP, elle est très très bas ce ratio. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et du coup, bah, en ayant sur un coup deux hits, bah, c'est toujours mieux. Donc on a bien kiffé, hein, beaucoup de personnes, hein, moi aussi premier. J'ai bien kiffé le boomerang avec Lina et aussi du coup avec Bonnie, hein, pour le proc des clones. Parce que du coup, on touche deux fois l'adversaire en un shoot. C'est très bas, c'est très fort. Sachant que la principale caractéristique du boomerang, c'est simplement que quand tu tires une fois, tu vas avoir des dégâts, 100% des dégâts, mais sauf que retour, c'est écrit dégâts accrus quand il revient vers vous. Donc dès que tu retouches un ennemi au retour du boomerang, tu fais plus de dégâts. C'est pas mal déjà. Mais sur papier, de base, je ne le jouais pas. Est-ce que je le jouerai avec un héros qui ne crée pas de clones? Je ne sais pas, je ne le joue pas. En tout cas, moi, aujourd'hui, boomerang, Lina, ils vont hyper bien ensemble, tout simplement. Alors, il y a des choses à éviter, des choses à prendre, etc. Est-ce que, à votre avis, puisque de base, un boomerang, ça traverse automatiquement l'ennemi, est-ce qu'à votre avis, on prend, par exemple, un tir perçant comme skill? Bah non, tu ne le prends pas. Du coup, l'avantage, c'est que tu peux, du coup, éviter, enfin, même pas tu peux, tu évites de prendre le skill tir perçant. C'était du coup d'autres choix, tout simplement, déjà. Donc du coup, déjà, tu gagnes un petit peu de skill, déjà. Ensuite, de ça, de compétences. Ensuite, il y a des choses qu'on peut voir ensemble. Là, ça va être un débat, et je vais vous demander, du coup, de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'à votre avis, mur gonflable, c'est intéressant avec un boomerang? Je vous le répète, hein, le boomerang, c'est l'aller puis le retour, et le retour fait plus de dégâts. Imaginez-vous qu'on a une cible qui est là, le mur, il est un peu décalé, etc., par rapport à la cible, etc. Tu vas taper sur la cible,
le boomerang va rebondir, tac, tac, sur les murs et revenir vers toi sans repasser par l'ennemi que tu as touché au premier, en 1. Est-ce que c'est worth ou pas? Je ne pense pas de prendre mur gonflable. Sauf si t'as bien entendu les flèches Diego. Là t'as les flèches Diego, mur gonflable, effectivement. T'en as partout, ça rebondit dans tous les sens, bien entendu. Mais si t'es en mono, avec un boomerang, même un tir multiple par exemple, je pense pas que ce soit worth de prendre des murs gonflables. Dans les commentaires, dites-le moi. Moi je pense que c'est pas worth parce que, du coup, moi, je vous le redis, ça part, mais ça revient pas sur la cible, tout simplement. Voilà un petit peu. Ensuite, pareil, même supposition, est-ce que c'est bon ou pas de prendre ricochet? Avantage ou inconvénient ricochet, à votre avis, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, c'est important du coup de vous lire, etc. Moi je pense que ricochet, c'est important. Pourquoi? Le point négatif, c'est qu'il n'y aura pas le retour du boomerang. Hein. Je vous explique, hein, il va y avoir deux cibles ici, par exemple. Hein, tu as deux cibles et en gros, bah, du coup, ça va taper les cibles et ça va revenir vers toi après sans repasser par la cible initiale ou la deuxième cible, par exemple. Donc du coup, ça va ricocher trois fois. Hein. Ça ricoche trois fois, tac, 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 et après, ça revient vers toi. Donc du coup, tu n'as pas le bonus du retour de l'arme. Inconvénient, c'est ça aussi, mais ricocher, c'est plus qu'important. On est d'accord? C'est plus qu'important. Donc à tester, bien entendu. Moi, dès que j'ai ricoché, je le prends. Voilà. Sachant qu'on fait quand même du multi. Hein, on fait quand même des dégâts multi puisque on traverse les ennemis. Donc on a déjà ça en plus. Mais ricocher, je pense que ça peut être quand même très bien. Voilà. Voilà un petit peu. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le joue parce que du coup, j'ai un héros qui fait proc des clones. Donc du coup, aller-retour. Maintenant, il faut voir avec ricochet, mur gonflable, ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, mur gonflable, je le prends si j'ai Diago, sinon je le prends pas. Et sinon, ricochet, je le prends quand même, quoi qu'il arrive, et qui verra. Maintenant, mon problème aujourd'hui, c'est que si je vais passer un chapitre comme ça, voilà, mais il me faut des dégâts. Et pour avoir des dégâts, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on augmente la rareté, tout simplement. Donc regardez, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais aller choper tout simplement. Vous vous rappelez, j'ai fait récemment une vidéo, normalement c'est hier ou avant-hier, il y a 48 heures, j'ai fait max une vidéo, pack opening, où je parlais du bouquin qui ne sortait pas, hein. Vous savez, le contrat du géant que je n'ai absolument pas, et d'ailleurs, derrière, vous m'avez MP, mais j'ai eu plein de MP sur Twitter, hein. Ada, regarde ce que j'ai eu, oui je t'imite, Ada, regarde ce que j'ai eu, Ada, regarde ce que j'ai eu en seulement deux poules, regarde Ada, je l'ai eu directement en violet, etc., moi je l'ai en gris, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? J'avais le seum contre vous. Non mais j'ai eu, voilà, en gros j'ai eu plein de messages dans la vidéo qui me disaient oh, attends, t'as vraiment pas de chance, moi au pire moi j'ai de la chance. Non, je pense que moi j'ai pas de chance et vous êtes normaux. Parce que tout le monde l'a eu sauf moi en fait, c'est un truc de fou. Bref, vous allez acheter ça qui est oh, ça peut servir à 7€. Ce qu'on va aller faire tout simplement, c'est qu'on va les fusionner. On va les chercher, regardez ici, j'en ai déjà deux. Deux Epic Splendide, il m'en manque un seul pour faire un légendaire. Donc, je vais chercher ici en épique. Ici, regardez ici, c'est où? Ben, je l'ai raté. Hein. Il est par là, il est où? Il est là. Vous avez vu, j'en ai deux. J'ai deux épiques. Mais il me faut trois pour faire un épique splendide. Donc du coup, on descend encore. Et on arrive là. Et là, j'ai cinq rares. Donc du coup, je vais pouvoir faire une fusion de ça. Donc on va aller directement dans la forgeron, dans la fusion. On va fusionner. Vous avez vu, j'ai eu beaucoup, mais vous l'avez vu hier, hein, dans le pack opening, enfin hier, avant-hier, j'ai eu du coup énormément de boomerang. Je sais pas, comme si le jeu savait qu'il me fallait ça. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que j'ai des questions, mais Ada, comment c'était que t'as eu beaucoup de boomerang? J'en sais rien, je sais pas. Donc, on fusionne ça, ça et ça. Ça nous donne du coup un rare en épique, ok? Vous avez vu tout à l'heure, vous l'avez vu, hein. Ensuite, est-ce que je prends un screen de ça ou pas? C'est quoi, je prends un screen de ça, voilà. Ensuite, les amis, je vais basculer, hop, 3 épiques en épique splendide. Je vais encore faire un screen. Ensuite, les amis, hop, on va aller chercher tout simplement 3 épiques splendides en légendaire. Attendez, celui de gauche d'abord. D'abord à gauche, hein, celui qu'on garde, hein, niveau 49, ça serait dommage, je recommence à 0. Et ensuite, on a ça et fait, même si je récupère les ressources, hein, ça me fait quand même un peu chier de récupérer, de faire à 0. Donc, ensuite, je fais ça, je bascule ça en légendaire, et là, on gagne quand même un petit peu de niveau, un petit peu d'attaque, hein, vous avez vu, hein, 150 à 200, hop, le petit screen, tu connais, et pour finir, on passe cette arme en légendaire antique. Alors, comment on va faire? Bah, écoutez, ici, vous avez vu que j'ai, je crois que j'ai quasiment toutes les armes en légendaire antique, sauf... Lui, je sais pas qui joue Arc. J'adore des commentaires. À chaque fois que je dis, qui c'est qui joue ça là? Qui c'est qui joue Atrius? Il y a toujours un mec qui me dit,
Moi je le joue, c'est pas bien. J'adore, force à toi frérot, force à toi. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement augmenter ça en légendaire. J'ai une lame de scie ici, j'en ai deux épiques, donc enfin deux épiques splendides, hein, le petit carré jaune à côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, vous avez vu ici, on est pas mal, pour faire la même manipulation. Donc forgeron ici, 1, 2 et 3, ça nous fait donc un épique splendide. Et ensuite de ça, on va aller tout simplement fusionner 1, 2 et 3 épiques splendides en légendaire. 2 légendaires égale 1 légendaire antique, les amis. Donc c'est parti, regardez. Je vais mettre ici, à gauche, hein. À gauche, on garde toujours. Il y a une flèche dessus. Ne vous trompez pas. À gauche, tu gardes. À droite, tu détruis. Et on détruit du coup ça. Et on fait la fusion. Le petit screen, tu connais. Le petit screen, tu connais. Voilà, 250. Donc j'ai été à 150 d'attaque. Je suis passé à 250. Donc ça va. Ça va. Donc voilà, hop, enfin, un boomerang légendaire antique. Bon, après, il faut le monter, mais bon, les fragments, enfin, les parchemins, c'est toujours une galère. Donc, j'essaierai maintenant, voilà, tout simplement, ce boomerang en légendaire antique sur le chapitre 24 HM. Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du boomerang, maintenant que je vous ai dit pourquoi je le joue. Un, parce que j'ai Lina, les clones, et deux, vraiment, je trouve qu'il est vraiment mobile, fort, et j'utilise pour tout, les events, les chapitres, le farming, et même pousser dans les chapitres, j'utilise vraiment partout, je le kiffe, donc il fallait vraiment que je le passe en légendaire, et du coup, grâce au pack opening, il y a 24 ou 48 heures, du coup, je ne sais pas encore quand la vidéo sort, et ben, c'est chose faite, voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, c'est pas déjà le cas pour suivre la suite des vidéos Archero, bien entendu, et plein d'autres encore. Partagez la vidéo, c'est important pour la chaîne. Et bien entendu, commentez-la pour le référencement. Des bisous. Ciao.